Au moment des faits, j'avais 24 ans. Et maintenant, j'en ai 92. C'est vieux, hein? Non. Moi, non, je n'étais pas dans la résistance, j'étais à côté. J'étais résistante passive, on peut dire, vous voyez. Moi, non. Non, j'étais pas dans la résistance, j'avais pas de nom de code, non. Je n'ai pas eu d'action dans la résistance, j'étais à côté, c'est tout. C'était pas régulier. Ils annonçaient leur venue par radio, ils avaient des codes. Par exemple, un dont je me rappelle, c'est « Un ami viendra ce soir ». Ça, c'était un code. Et le maquis qui connaissait le code savait qu'il y aurait un parachutage. Voilà comment ça se passait. Mais il y en avait souvent des parachutages. Les habitants de l'escale se contentaient de soutenir les résistants. Mais eux-mêmes n'étaient pas résistants. Il y a les jeunes qui étaient résistants. Mais l'escale était un petit hameau. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La commune, c'est Puyvert. Et puis, c'est tout plein de petits hameaux. Vous savez que c'est un hameau. C'est comme une grande ferme avec des fois une dizaine de maisons. Alors autour de Puyvert, c'est tout plein de petits hameaux qui s'appellent Cangast, Cansadrouni, Cambrillon, Cambonor, Canferier. Ça date, l'histoire l'explique, je vous voyais. C'est une histoire de Romains ou des trucs comme ça. Voilà. Et alors, la commune, c'était Puyvert. Mais dans les hameaux, comme c'était important, il y avait des écoles. Et on dépendait de Puyvert. Un jour, mais moi je n'y étais pas, hein. Moi je n'y étais pas. Moi j'étais partie, je vous montre le papier tout à l'heure, j'avais été nommée en remplacement au mois de mars. Moi à ce moment-là, j'étais à Villeneuve, mes parents étaient à Villeneuve-les-Montréal, vous connaissez? Oui. Hein, voilà. Et moi je faisais des suppléances parce que je n'avais pas tous mes diplômes. Bon, c'est trop long à compliquer. Bon, j'avais d'abord fait un an de guerre avec simplement le brevet simple parce que quand on a mobilisé les instituteurs, il a manqué des remplaçants. Oui. Et alors on a pris, bon, alors j'ai fait un an de guerre dans le pays de Sceaux là-bas. Un an de guerre, non, pardon. J'étais dans l'enseignement, hein, mais c'était pendant le gros de la guerre. Et après, quand l'armistice a été signé, parce que hier c'était l'anniversaire de l'armistice, mais du 8 mai. Oui. Mais il y en avait eu un armistice le 20 juin ou le 21, après la défaite. D'accord. Et c'est quand les Allemands ont envahi la France. Et alors, donc, j'étais à Villeneuve, je n'avais pas de travail, puis je reçois une convocation. Je suis nommée à l'escale en remplacement de M. Maury, pour raison de santé. C'est pour vous dire les gens que j'ai connus à l'escale. Je commençais par connaître la famille Pic, elle s'appelait Pic, cette dame. Et puis, j'ai connu aussi la famille Carbou. Et là, la famille Carbou, il y avait trois garçons. Il y en avait un qui était instituteur à Onat, un autre qui était au lycée, et le troisième que j'avais en classe. Ça, c'était la famille Carbou. Et c'est l'aîné qui a été tué au maquis. J'y suis allée après à la Noël, invitée toujours par chez Madame Pic. Et alors là, j'ai vu l'escale démolie, complètement démolie. Il restait deux maisons et l'école. L'école avait commencé à brûler. Mais moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais partie. Ça a commencé à l'escale parce qu'il y a eu un parachutage avant que moi j'arrive, quelques mois avant. Il y a eu un parachutage. Alors,
Ils se sont trompés, ce parachutage était destiné à un maquis à côté, le maquis de Salvesine. Seulement, quelquefois les avions ne voyaient pas le terrain. Ils étaient balisés en principe les terrains d'aviation, mais quelquefois ils manquaient. Alors là, ce parachutage, ils l'ont laissé en pleine cambrousse sur les pentes entre l'escale et Belvis. Les gens de l'escale y sont allés. Les gens voisins aussi, Belvis et tout ça. Alors là, il y avait des armes, et puis je ne sais pas quoi encore. Ils se sont servis, mais les Allemands et les gendarmes l'ont su. Alors ils sont venus et ils ont pris tout le reste. Et c'est de là qu'a commencé le maquis à l'escale, alors, comme le parachutage avait été à l'escale. Et c'est là que M. Maury s'en est occupé. Et ça, il y a eu, il fallait pas parler, vous savez, pour si peu qu'on parle trop, les lettres étaient censurées, tout. On a su que M. Maury donc s'occupait du maquis, et on est venu le cueillir à Puyvert, chez sa femme, parce qu'il était instituteur à l'escale, mais il allait coucher tous les soirs chez sa femme à Puyvert. Et alors, les Allemands sont venus le chercher à Puyvert. Et par chance, c'était les vacances de carnaval. Et il était chez ses beaux-parents à Limoux. Et les Allemands ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Et lui, quand il a su ça, il s'est caché. Mais seulement pour camoufler, on disait il est malade, il est en traitement à Toulouse. Et sa femme me l'a dit après coup, quand elle a vu bon qu'on se connaissait, qu'elle risquait rien de moi, alors elle me l'a dit. Mais moi, je n'ai pas tout ce que j'ai fait pour le maquis de Picossin, j'ai reprisé un drapeau. Ah, alors là, je l'ai appris, moi, par lettre. Quand j'ai su, j'étais toujours à Villeneuve, donc je n'étais pas revenue à l'escale. Et ça s'est dit à Montréal qu'il y avait eu 2 tués au maquis et que l'escale avait brûlé. Alors qu'est-ce que j'ai fait vite? Moi, je me faisais du souci pour ces gens que je connaissais. Seulement, l'escale avait brûlé, il n'y avait plus personne au village. Alors, j'ai écrit à une sœur de Madame Pic qui était à la poste à Esclosel. Et j'ai écrit à un oncle qui était curé à Nébias. Ils m'ont répondu et ils m'ont expliqué que donc la famille Pic était sauve, mais ils me donnent, je vous montrerai les lettres tout à l'heure, ils me disent comment c'est un peu passé. Et après, alors, beaucoup vers la fin août, j'ai reçu une lettre dans le mari qui là m'explique, je vous la lisais la lettre, qui m'explique comment ça s'est passé. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Et puis alors, Anne-Marie m'a donné beaucoup plus de détails par la suite. Et je suis allée à la Noël, aux vacances de Noël, je suis allée à l'escale. Pas à l'escale, non, parce qu'ils habitaient dans une maison qu'on leur avait prêtée à Camp-Marcel, un peu avant d'arriver à l'escale. Et alors là, on est monté à pied à l'escale. Et je ne vous dis pas, c'était pas gai. C'était pas gai du tout. Quand on a vu ça, ces maisons démolies, j'ai reconnu la cuisinière de la maison où j'avais logé chez Madame Pic, une cuisinière blanche toute tordue par le feu, par vous le voyez. Feu, oui. Et puis, bien sûr, on est allé sur la tombe de Jeannot et de Gégé. Et on a pleuré. Oui. Voilà. Ils ont d'abord habité chez des parents, puis ils ne pouvaient pas toujours, ils étaient nombreux. Et ils ont, il y en a qui ont prêté des maisons dans les hameaux à côté. Et puis on leur avait promis de reconstruire le village, figurez-vous. On a commencé par leur donner des baraques en planches.
beaucoup moins jolie que la baraque de l'escale qu'on a inaugurée. Hein. Elle est trop jolie, celle de l'escale. C'est pas du tout ressemblant, c'était toute noire, hein, couverte de toile de goudron. Et alors on leur a installé ces maisons et on leur avait promis, bien sûr, de faire des maisons en dur. Mais ces maisons, ils les ont entendues 9 ou 10 ans. Ils sont restés dans ces cabanes. Et alors maintenant, en souvenir, donc, on en a construit une, toute neuve, toute bien jolie. Elle est trop jolie, elle ne donne pas une idée de ce que c'était. Je suis émue quand j'y pense. Par exemple, là, quand on a assisté à l'inauguration, quand M. Viola est venu me dire bonjour, je lui ai dit, j'ai envie de pleurer, parce que j'ai pas retrouvé, en plus de ça, j'ai pas retrouvé à l'escale tout ce que je connaissais. Toute la famille Carbou, ils sont morts, tous. Et chez les Pics aussi, tous. Alors, ce que j'avais le plus fréquenté, il reste plus personne. Les jeunes, même celui qui a été mon élève qui avait 10 ans, il est mort il y a 2 ou 3 ans, vous voyez? Oui. Alors, c'était pas bien. Oui. C'est pas bien. Il était basque. Il était originaire de Bilbao. Il a fait la guerre en Espagne. Il était jeune, il avait 17 ans. Voilà. Et il avait un frère qui était à la guerre avec lui. Ah, et bien, il s'est engagé dans la résistance fin 1943. Parce qu'il est travaillé au... Je ne me souviens pas du numéro du groupe. J'ai perdu tous les papiers. Vous savez, le camp, ne me photographiez pas, s'il vous plaît. Le camp des Espagnols a été clôturé, là. Vous savez où était le camp des Espagnols? Sur la route de Montréal. Ils ont formé un groupe de travailleurs qui étaient logés dans les dépendances du château de Lorda. Et ils faisaient du pain, évidemment, puisqu'il y avait les Allemands. Pour les Allemands, ils étaient obligés. Voilà. Ils travaillaient au boulot. Dans le lotissement qui est maintenant, comment il s'appelle ce lotissement? Je ne m'en souviens pas. Comment s'appelle le lotissement après la barrière, là, tout le long de... Bon, moi, j'ai travaillé chez M. et Mme Laboucarier. Des personnes, c'était un ancien docteur. Et Mme Laboucarier, c'était une fille, comment elle s'appelait déjà? Je travaillais, oui, j'étais femme de chambre. À la grande maison, en allant à la gare, le grand chalet, là, le grand petit château. Vous voyez, comment... Où il y avait madame. Cette belle maison-là, quand tu vas à la gare, là, je travaillais là. Et à ce moment-là, il y avait aussi des Allemands dans la maison. C'était réquisitionné. Il y avait une chambre qui était réquisitionnée pour les Allemands, un gradé allemand. J'en ai vu défiler 3 ou 4 là. Non, je n'ai connu que mon mari. Enfin, nous étions fiancés. Ce n'était pas mon mari à cette époque-là. Mais bon, il fallait savoir se taire. Quand il est parti à la résistance, bien sûr, je savais qu'il partait. Mais je n'allais pas le dire. Hein. Tu sais, moi, je travaillais du matin au soir et du soir au matin. Je ne m'occupais pas, il y avait des restrictions, il y avait des Allemands partout, il fallait se taire. Hein.
On n'en parlait pas. Après la résistance, on n'en parlait plus. Après, on était contents, puis c'est tout. Puis on avait d'autres occupations. Non, je ne me souviens pas de beaucoup de choses, vous savez. Je sais quand il est parti, il est allé à Montréal à pied, il est parti à pied, il n'avait même pas de vélo. De Montréal, il a gagné les bois, de là il est allé vers Camon, dans l'Ariège. C'est juste à la limite de l'Aude et de l'Ariège. Il y a beaucoup de bois là-bas. Et il y avait un copain, mais je ne me souviens plus de son nom, qui travaillait là-bas. Mais bon, après il a gagné la forêt de Picossel. Mais je ne me souviens d'aucun de ces, des noms de ces copains. Je me souviens qu'il y en avait un qui s'appelait Pablo. Il était de Carcassonne, mais il est mort il y a très longtemps. Et il est mort vite après la résistance. Puis je ne me souviens de plus rien. Et de là, il est parti à Picossel. Et là, il y a eu les combats à Picossel. J'avais tout plein de papiers et je ne sais pas ce que j'en ai fait.